Bonjour. Il a checké la voiture dans le directeur. Pourquoi tu n'es pas venu chez moi me donner les œufs pour qu'ils mangent même un peu? Tu as dit que tu te dis que qui est venu faire le petit déjeuner pour qu'ils mangent? Bon, la pleine lune, c'est demain. Je vais poster une vidéo tout à l'heure sur le rituel à faire pendant la pleine lune. Vous devez commencer à utiliser tout ce que les astres vous donnent. Allez, reprendre le numéro sur la page. Tu as compris? Contacte le numéro là, puis tu vas faire écrire au 680 71 07 01 sur WhatsApp. 680 71 07 01. Peu importe le pays d'où vous me regardez. Tu n'as pas encore quoi? Miséricorde divine. Pendant que tu es pauvre, tu me dis, tu bloques moi une fois. Hein. Je n'aime pas les gens avec l'esprit de pauvreté. Ça me fait mal à la tête. Je n'aime même pas le mot je n'ai pas ou je ne peux pas ou je n'ai ou c'est cher. Je n'aime pas ça. Mais... Bon, on va parler sur une note un peu sérieuse. Beaucoup d'entre vous, vous avez écouté ce que je dis dans les vidéos. Vous avez commencé à mettre en pratique. Roseline, bonjour. La reine Roseline. Vous avez commencé à écouter ce que je dis. Vous avez commencé à avoir des combats spirituels. Il n'y a que vous qui ressentez. J'ai une maman qui vend les tomates à Bipanda. La femme l'avait acheté même 3 kits chez moi. Elle a fait le lavage de moi là au moins 3 fois. Depuis qu'elle venait d'arriver sa fille, il y avait un homme qui voulait épouser sa fille. Après, il tournait, après il a fui, tout ça. Et puis on a travaillé sur sa fille. Valérie Poukem, il y a le numéro sur la page. Tu as compris, non? Le numéro que tu as écrit, ça ne ressemble même pas à ce que j'ai dit. Sors de la vidéo, si tu passes sur la page, tu regardes les numéros. Parfois, vous êtes trop paresseux. Et quand il voit quelqu'un qui ne peut même pas se casser pour aller sur Facebook pour prendre le numéro, et c'est que dès que tu vas me contacter, tu vas commencer à me dire que tu n'as pas l'argent. Parce que si ceux d'entre vous qui connaissent chercher ce qui va les aider, vous ne manquez pas l'argent. C'est pour ça que je ne le mets pas, je fais même tout moins cher, parce que il sait que vous les paresseux là que vous aimez les taux de Mimi Franc. Vous êtes paresseux. C'est pour ça que je ne veux même pas vous. Même vous parler. Je ne veux pas que nos deux idées se connectent. On va mettre les vidéos en ligne, tu ne vas pas regarder. Tu vas venir à la consultation me demander comment on fait comment on se lave le sel. Et il ne veut pas. Chacun a son degré, chacun a son niveau. Allez partir, voir les partir, voir les gars, les petits gars du quartier là. Vous leur donnez 500 de consultation ou bien 2000 de consultation. Et puis après, c'est vous donnez, allez les voir. Allez à Dakar, ils vont vous aider. Je veux travailler les gens que. Quelqu'un va me dire que de 20h à 4h, je regarde tes vidéos. Hier, une dame est venue ici. Elle avait le cahier. Elle me dit que chaque fois que je fais les directs, elle prend des notes. Je suis appelé pour les choisir. Je ne suis pas appelé pour n'importe qui.
Je dois vous dire ça aujourd'hui. Un choisi, c'est quelqu'un qui a déjà commencé lui-même. Ce qui fait que quand il va commencer à dire les choses, là, tu ne vas pas comprendre. Farine Fadio, ce n'est pas mon numéro là-bas. Oh, oh. Si tu es venu pour piéger, tu vas piéger que tes gens qui ont besoin de 10 heures de bonne aventure. Moi, je prends les dents. Et Béninois, là, vous êtes parti là-bas. Je veux travailler avec les gens qui ont déjà atteint un certain niveau d'éveil. Laurence Mouga, qui tu m'appages, je ne prends pas les pleurs. Je ne suis pas bougé par les pleurs. Je suis en train de vous... Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que vous avez subi des batailles intérieures très intenses. Et je vais vous montrer comment agir ou réagir. Donc, si vous tombez sur ma vidéo et vous êtes encore chez la personne qu'on doit te supplier ou te forcer pour que tu fasses de... Lave-toi avec le sel. Oh, est-ce que tu as... Si on doit encore te supplier pour ça, hein? Quitte. Loue. Vous allez voir que c'est dans mes vidéos où je parle seulement pour vous énerver, mais pour que vous quittez, quittez. Libérez-moi la ligne. Quand on parle de batailles spirituelles solides, certains mamies, vous vous êtes appelés à aider même 5000 personnes. Tu es là, tu es sur le lit couché, une parlaque. On met une vidéo même de 30 minutes, 1 heure de temps. Tu ne peux pas te soigner pour écouter. On va t'aider en quoi? On va t'aider en quoi? On peut pas? On montre comment prier. Tu ne veux pas. Prie pour moi. Prie. Aide-moi. On montre ce que tu vas faire. Lis le psaume 35. Lis ceci. Non. Ce n'est pas ici. Moi que t'es nio. Vous dis-moi. Moi que t'es nio. Voilà. Si vous êtes prêt pour vous battre, vous êtes sur le bon endroit. Vous cherchez les aides de prière. Aidez-moi. 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 Voilà, voilà les hortenses là. Voilà vos gens là-bas. Voilà vos marabouts. Vous avez perdu l'être que vous désirez. Vous aimez la facilité. Vous aimez la facilité. Allez chercher la facilité là-bas. Tu vas donner l'argent à quelqu'un, on va faire abracadabra. Ouf! Hé, hey, ça marche, il m'aime à nouveau. Hé, hé, tu es fort. Tu es fort jusqu'à, tu es forte, tu es. Apprenez le discernement spirituel. Apprenez le discernement spirituel. Tu restes comme ça. Tu dois pouvoir identifier quand tu ne vas pas bien spirituellement. Tu dois pouvoir connaître qu'on est en train de t'attaquer. Parce que l'esprit va te prévenir. Tu te lèves le matin. D'abord, le rêve que tu as fait la nuit. Prie. Toi, maman, 4 heures, l'esprit te dit, lève-toi, tu peux faire ton pipi. Bonjour, la reine Bouto. Merci. 3 heures, 4 heures, toi, tu te lèves, tu peux pisser dans l'eau. Vous les voilà, non, voilà les bénis qui vous cherchent. Partez les voir. Une dame me voyait, elle dit qu'elle est partie. Elle est partie chez les bénis, doit se faire initier. On l'a naqué. Voilà. Oui, je suis partie au Bénin. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'initier à l'eau. Je suis partie. Ils ont fait, mais après mon nom, je me suis sentie. Ils m'ont naqué. Comme on a dit que Bénin, 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 ni, 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 ni. Partez, oh. Partez, non. Bonjour, monsieur le Socrate Willy.
Je vous ai dit que je n'écris à personne en privé. Donc, si quelqu'un vous contacte, il a mon nom, il a ma photo sur son profil. Vous portez l'argent, vous lui envoyez. C'est pour vous là-bas. Je ne travaille pas là-bas. Parce que vous aimez la facilité. Tu dois pouvoir rester. Chérie, tu parles à ton mari. Le matin, là, tu te lèves, tu pries sur lui jusqu'à... Il dit encore que c'est comme un non-bébé. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il dit, bébé, en fait, fais ta prière de 2 minutes, non. Tu pries. Dans la journée, tu dis, chérie, je viens de rater un accident. Je viens de louper. Quelqu'un a acheté la nourriture. Quelqu'un est venu au bureau, il a partagé la nourriture aux gens. Je n'étais pas là à temps pour manger. Parce que j'étais parti faire les photocopies. Je reviens, ils ont tous mal au ventre. Parce qu'on calculait ton mari dans la journée là. Tu as senti le matin. Tu as senti. Donnez les cœurs sur ma vidéo. Vous n'avez pas l'argent, vous avez quand même le pouce, non. Merci. Je déclare la lucidité sur votre vie au nom de Jésus. Je déclare que la sagesse divine est restaurée dans votre esprit. Toutes les personnes qui vous ont calculé pour vous faire du mal, je déclare que vous êtes désormais indétectable pour ces personnes. Tous les gens de votre famille qui vous quittent, qui se cachent, vous quittent, je déclare qu'ils n'arrivent, je perce leurs yeux spirituels, leur caméra, là, leur téléphone se gâte aujourd'hui. Ils perdent le nom de votre page au nom de Jésus. Vous devez écoutez, Dieu va vous donner vos messages. Dieu va vous faire votre diagnostic. Tu restes comme ça là. Je jeûne demain. D'ailleurs, on jeûne aujourd'hui en passant, on jeûne. Le roi Georges a lancé un jeûne qui a commencé ce matin. Donc, ceux qui sont dans le groupe de prière, vous avez prié à 12h. Tu sens que ça va. Pas faire un don à l'orphelinat. Fais le jeûne. Il dit que ayez les oreilles spirituelles. Et quand tu écoutes, parfait. Ça, c'est encore l'autre problème de bataille que j'avais vous là-bas. Je poste une vidéo hier, avant-hier. J'ai mis une vidéo où je montre comment recevoir la bénédiction de la terre là où on est. Je consulte une jeune fille ce soir-là. Je lui demande que... Elle me dit, oui, j'ai vu la vidéo là où tu disais qu'il fallait... Ouais, ouais, ouais. Tu as fait. C'est ça qui était bloqué en Guadeloupe là. Tu as fait. Tu sais, il était 19h ici là. Bon, je vais faire ça demain. Il dit que toi, voilà, tu es bloqué dans le pays là.
Tu penses que les astuces qu'il manque là, c'est pour. Ah, oui, je vais sortir comme il est 20h. Il va les faire. Écoutez, les instructions que vous donne les derniers temps, ce sont les armes de guerre. Parce qu'il y a les gens qui ont compris que votre bénédiction est en train d'être déversée sur vous. Donc, ceux qui dormaient là, ils ont encore sorti leur argent pour aller doubler. Mais ils oublient que tous les lavages au sel que vous avez fait là, tous les trucs que vous avez fait là, ça a augmenté, ça a aiguisé votre oreille. Tu restes comme ça là. Tu devais sortir, le Saint-Esprit ne sort pas. Reste à la maison. Tu veux partir voir au marché. Il te dit non, pas plutôt à la boutique ici, acheter ça. Tu pars, tu rentres directement à la maison. Après, tu entends qu'il y avait un problème sur l'autoroute que tu devais prendre là. Ça t'attendait. Écrivez sur le 237 680 71 0701. 237, pardon. Plus 237 680 71 0701. On vous dit que vous voulez entrer dans le groupe de prière. Bon, Nika, tu as fait un rêve où tu me voyais te dire que tu étais lavable. Ça, c'est super. Le travail spirituel que vous êtes en train de faire fidèlement. Bonjour, Yetago. Ce travail spirituel est en train de. Ça aiguise votre sensibilité à l'esprit. Ça aiguise. Bon, je vais donc vous dire comment les batailles des choisis se passent. Vous ne vous battez pas contre la chair. Vous ne vous battez pas contre physiquement votre oncle. Vraiment, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je veux qu'on se réjouisse pour une choisie. Là, ça fait 6 mois. La femme a eu tellement d'étapes spirituelles de travail. Je vous ai parlé d'une dame qu'un jour, elle me contacte vers le mois de février. Elle n'a même pas l'argent de la consultation. Elle est dans la quarantaine. Elle vient à toi là. N'est pas l'agenda consultation. 680 71 0701, c'est ça. Consultation et toute autre chose. J'ai tout centré maintenant sur les deux numéros du Camerounais. 680 71 0701. Tu as en Côte d'Ivoire, contacte le numéro camerounais. Tu as à Washington, contacte le numéro camerounais. N'importe où. J'ai eu trop de mauvais coups des représentants et représentants. Vous contactez, on va vous passer le numéro. Et sans compter les gens qui sont les scammers de la page. Donc, on va vous reconduire vers ces personnes pour les bonnes informations. Mais bon, ton pays écrit là-bas. Je te réponds. Maman. Première fois que. Elle n'avait pas l'argent, non, pour faire son lavage. Même la consultation n'avait pas l'argent. C'est pas là, voilà, qui vient. Elle vient un jour quand j'étais à Yaoundé en voyage. Elle vient à la maison. Elle s'assoit dans la cour, il y a des chaises. Elle s'assoit. Elle attend. Pendant qu'elle est super santé de prier, elle dit que la fiancée de son cousin lui envoie 15 000. Le temps dans la consultation, c'était 25 000. Elle dit, maman, il y a la bénédiction sur les canapés. Si elle prend les 15 000, elle paye directement, elle avance sa consultation. Et pas, je crois que le soir là ou le lendemain, quelqu'un lui a encore donné de l'argent. Elle a complété. Elle la consulte, on prévoit le lavage. Et puis elle achète la poule. Quand elle achète la poule, comme elle avait l'appartement, elle s'est dit, mais si elle part dans mon appartement avec la poule, c'est là, je vais la mettre où? Donc, ta mère, il veut lancer ça chez la reine comme ça.
Je reviens faire mon lavage un autre jour. Elle arrive le jour là vers 18h moins. Mais si la reine a Bessou. Elle arrive dans avec sa poule. Quand elle vient, elle dit qu'elle a d'abord eu beaucoup d'adversité pour venir. Il y avait un esprit qui l'a bloqué. Quand elle arrive, l'esprit me dit, lave-la maintenant. N'est-ce pas? Elle la met dans la case. Commence le rituel de lavage. Dès qu'on commence, elle commence à manifester. Bam, elle s'agenouille. Sa tante qui l'a bloqué commence à parler, non? Oui, je l'ai bloqué. C'est moi qui l'ai bloqué ici au pays. J'ai fermé les mbenguistes là qui viennent ici, là, ils disent qu'ils veulent épouser. Dès qu'ils arrivent ici, là, on finit leurs finances. Après, ils repartent. Dès qu'un homme commence avec elle, jusqu'à ils couchent un peu ensemble comme ça, là, on mange l'argent de l'homme là. Dès qu'un homme ouvre le compte bancaire pour elle comme ça, là, on finit son argent. Après, lui-même, il porte ses pieds, il part seul. On a bloqué son fils. Il est en route depuis là, il devait traverser. Non, on l'a calé dans tel endroit. Dès que son deuxième enfant, là, lui, qui met les lunettes, trop intelligent comme ça, là, oui, on a bloqué son intelligence. C'est pour ça qu'il a mal à la tête depuis. Maman. Ah. Quand on a fini avec la femme, j'ai regardé, on s'est dit, tu as fait quoi aux gens? Tu as fait quoi aux gens? Elle était dépassée. N'est-ce pas? Elle a continué les produits, lavage. Tout, chaque fois qu'il y avait un truc qu'on faisait, elle faisait ça. Un jour, je vous ai dit que j'étais à l'orphelinat. Elle a vu la vidéo de l'orphelinat. Elle a pris la moto. Elle nous a trouvé à l'orphelinat. Quand elle vient, quoi, elle va porter une petite offrande pour les orphelins. On était à l'orphelinat au mois de mars. Quand elle arrive, elle dit que dès qu'elle vient, non, j'ai cette idée-là. Agenouille-toi et c'est là on prie pour toi. C'est après qu'elle nous relate le rêve qu'elle a fait. Elle vient s'agenouiller dans un endroit-là. Parce que le jour où les enfants avaient tellement prié pour moi, je crois que c'était en direct sur la page, si vous avez vu. Je me suis agenouillé là, ils ont prié pour moi. Maman, ils ont dit que, oh, la bénédiction qu'il y a dans la maison. Donc elle vient s'agenouiller là-bas. En passant, si vous arrivez au Cameroun et vous voulez aller faire le don à l'orphelinat, cœur de Jésus, dites-moi s'il vous plaît. Partez physiquement. Il y a une certaine bénédiction dans cet endroit. Voilà. Ok, c'était le 15 avril. Bienvenue à la chaîne, la reine sur ma chaîne. Quand les enfants finissent de prier, elle commence à pleurer. Mon vieux le roi Ténio, comment tu vas? Maman, c'est l'enfant là qui a grandi comme ça. Je vois ta photo de profil. Hey, hey. C'est un grand garçon. Bless him. J'espère qu'il va bien. Donc, elle me dit que, après elle dit que, dans la nuit là, dans la nuit qui a précédé sa venue à l'orphelinat, elle a vu une petite fille qui est venue, elle a mis sa main sur son cou, elle a commencé à prier pour elle. Et quand la petite fille a prié, deux serpents sont sortis de son cou. Imaginez, elle rêve de ça la nuit. Dans la journée, elle vient à l'orphelinat et elle se retrouve agenouillée. Les enfants viennent mettre la main sur son cou pour prier pour elle. Donc elle dit que pour elle, elle croit que c'est sa délivrance. Cette même personne a eu le visa pour aller en bain. On a fait le jeûne quand là. Ça devait être peut-être le 1er août. J'avais fait des déclarations, j'ai dit que je libère vos visas. Les 16h, m'envoie la photo de son visa. Elle envoie la photo, elle dit, yeah, 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 yeah. Voilà le visa Schengen. Elle m'a envoyé la photo hier, elle était dans l'avion. Elle m'a dit que tous les démons qui vous avaient bloqué au Cameroun, là, ils vont voir. Donc, ça parle de blocage, c'était le genre que ces gens-là ne se cachaient plus. Dans la famille, on l'avait tellement insulté. On s'y a tellement moqué d'elle.
Tellement. On voit la photo dans l'avion. Il m'a dit que. Jésus m'a envoyé le message que. Hey, donc toi aussi tu es dans l'avion, maman. Tu es aussi dans l'avion. Tu es aussi dans la Tour Eiffel. Ah! Oh, la méchanceté ne paye pas. Quand le temps de Dieu arrive, laissez. Le temps de Dieu. Laissez. Et il y a eu un jeune, un travail qu'on a fait en mai là. Dans une même période comme ça là, elle restait là trois opportunités de visa. Après, elle hésitait un peu. J'ai dit que le Seigneur va décanter, il va exposer s'il y a le mauvais dedans. La première personne qui lui avait proposé, que non, viens, je te paye le palais, papa, tu fais ton visa, tu viens, comme ça tu travailles avec moi ici. Maman, la première étape du visa échoue. La personne a commencé à insulter. Quand la personne allait insulter, j'ai dit qu'on a prié que quoi? On a prié quoi? On a dit que les gens là sont exposés, non? Tu pouvais arriver là-bas comme ça là, elle te prend, elle te donne en prostitution. Tu es bloqué dans le pays là. Elle prend ton passeport, elle te bloque là-bas pour la prostitution. Tu ne le connais même pas. Voilà le haut qui sort d'eau. Bon, on me demande de prophétiser sur votre vie. On me dit de te dire que ton temps est arrivé. Ton temps de croissance. Tu vas grandir comme le bambou. Tu vas grandir comme le bambou. Le bambou fait 5 ans dans la terre. On ne voit rien. Après, en quelques jours, le bambou fait... On dit, mais bambou. Chaque heure, apparemment, le bambou fait des... Chaque heure, il fait des centimètres. Chaque heure. Imaginez en 24 heures. Si vous écrivez pour demander le numéro de téléphone, on va vous donner. Je vais vous donner le numéro de la dame. Nous sommes partis là-bas. Elle s'appelle Maman Nathalie. L'autre jour, Maman Nathalie est venue faire... Maman Nathalie, je vais oublier de vous dire. L'autre jour, l'orphelinat est venu faire les dons chez moi. J'étais contente. Et je me suis dit que quand l'orphelinat vient te faire les dons, ça veut dire que tu es arrivé. Bref. Je reste à m'appeler et je dis, oh maman, nous aussi les orphelins, on veut venir te bénir. Qu'on supporte ce que tu fais. Maman, ils ont donné les choses à mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je vous assure. Maman Nathalie, là, elle-même, là, c'est un ange, vraiment. Seigneur, nous bénissons son œuvre, nous bénissons nos orphelinats. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous disais que votre période de bambou est arrivée. Bambousisme. Bambousisme. Saison bambou. Zahir me dit aussi que il y a beaucoup de promesses qu'on t'a fait dans le passé. Tu vas arriver dans une saison où les gens vont te dire quelque chose, ils vont faire. C'est vrai qu'elle vous dit qu'elle est partie en Europe là. Je ne dirais même pas le pays parce que c'est que il y a ces disciples qui conduisent ma page. Ils vous connaissent. Quand elle a eu ces opportunités là, son cousin a commencé comme les blagues. Je veux que tu viennes dans tel pays. Et ma mère dit, maman, en voilà en 3 jours, 3 personnes sont venues me proposer des choses. Comme les blagues. Après, son cousin envoie l'invitation. Pian. Elle dit, voilà l'invitation. Après, elle me dit, maman, que Pian, je suis passé à l'ambassade. Je dis que, hey. Après, le jour où elle fait l'offrande, que je dis que chaque truc que je lance, la fille, elle participe. C'est dit qu'on peut faire l'offrande à l'eau, elle est dedans. On peut faire, elle est dedans. Elle est dedans. Jeûne de 1 heure de temps, elle est dedans. Elle dit que je veux jeûner. Vous allez entrer dans une saison où
On ne va plus vous faire des promesses qu'on ne tiendra pas. Quand quelqu'un va venir te parler, il aura déjà la substance pour subvenir à la promesse. Bricia Edith. Bonjour, Brita. Ça va, bienvenue. Vous allez entrer dans une saison où on ne va plus venir vous faire des fausses promesses. Chérie, je veux qu'on se marie. Moi, je ne veux même pas espérer. Pardon, les cinq derniers hommes qui sont venus dans ma vie là. Pardon, pas, ne me dérange pas, pas. Je ne veux pas, tu me manques. Chérie, je veux qu'on se marie. 3 jours plus tard, il vient te donner la bague. Tu es sérieux? Je veux qu'on se marie. 4 semaines plus tard. Monsieur tel, voulez-vous prendre telle personne pour épouse? Madame tel, mademoiselle tel, voulez-vous prendre monsieur tel pour épouse? Tu es marié. Comme ça, comme bien. Écrivez cela comme bien. Écrivez cela comme bien. On veut le roi Wafou. Mais écris mon mauvais numéro. Tu sais ça. Nous sommes mes secrétaires qui gèrent le numéro là. Écrivez d'abord comme bien. Et moi, je ne dis pas le plus. Voilà. Josiane, tu as bien écrit. J'ai demandé d'écrire comme bien. Comme bien. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous, vous êtes des grandes manifesteuses? Tu as déjà des personnes que dans ton aura, dans ton étoile, tu n'es pas censé durer pour faire tes choses. Tu n'es pas censé durer. Tu restes comme ça là. Tu penses à quelque chose. Non, je veux la voiture. 3 semaines plus tard. Écrivez. Bien. Écrivez alors. Marguerite. Tu restes comme ça là. Il faut vraiment qu'elle parte en Belgique. 1 semaine plus tard, dépose le visa. 2 semaines plus tard, écrivez. Écrivez. Bien. Il n'est pas bon pour une femme d'être seule. Seigneur, je dois me marier. Voilà, je dois me marier avant la fin de cette année. Deux jours plus tard, tu rencontres bêtement que. Ah, tu pars au salon de coiffure, bah, tu étais même fatigué, il pleuvait même, non. Tu t'abrites quelque part. En t'abritant, tu restes, voilà, un gars aussi qui vient s'abriter là-bas, comme ça là. Comme bien, hein. Et qui va encore comme bien. Un gars aussi s'abriter avec là-bas avec toi. Il te regarde. Tu prends son numéro comme bien. Il t'invite à Chopéyamou le lendemain. Vous voulez manger, il dit prions d'abord. Seigneur, je te prie pour Jocelyne. Je la bénis. Je. Quand il prie, tu fais comme ça là. Un homme qui prie. Hey. 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 Tu veux seulement comme bien? Ouais, Seigneur. C'est le jour là où tu le vois encore bien.
En venant, il a acheté le mambou, il a mis, il a acheté trois mambou, il a mis sur son ventre. Quand il commence à parler, quand il commence à parler des hommes là, vous connaissez que ma bouche commence à faire que j'a. Il est beau, il prie. Pendant que vous êtes en train de manger, il évangélise même deux personnes là. Bon, franchement, lave-toi avec le sel, ma soeur. Tu dis, ah, tu connais le sel? Tu viens seulement me faire le inbox que. Hey, de me laver avec le sel. Quand j'étais seulement là confiant. Ouais, Seigneur. Sandrino, ne te dérange pas. Écoute ce là-bas. N'est-ce pas, vous voilà. 2 semaines plus tard, il te dit qu'il veut t'inviter chez sa grande soeur. Te voilà. Tu arrives. La grande soeur dit, maman, il m'a tellement parlé de toi. Voilà. Il veut t'épouser. Tu le regardes. D'ailleurs, il a amené à papa et la bague. Oh, la bague. Ma chérie, il faut seulement que tu te dises. On prévoit le jour. Hein. Tu sais, moi, c'est moi qui ai élevé mon frère. Parce que tous les Decepticons. Elle te dit Decepticons. Tu dis. Tu fais seulement. Elle dit que tous les Decepticons de notre famille. Non, nous, on fonctionne seulement nous deux. Et si tu es d'accord, dans 10 jours, on organise le mariage. Tu sors de là, c'est comme si le ciel était devenu. Te voilà le lendemain, t'es chercher la robe de mariée. Comme les blagues. On dépose la demande chez le maire. Vous payez le service rapide. On dépose tout, tout, tout. Te voilà. 2 semaines plus tard, tu as la bague sur la main. Tu as rencontré le gars, ça fait 6 semaines. Vous êtes mariés. Après, il te dit que voilà, j'avais lancé ma procédure pour le Canada depuis. Il me fallait seulement une femme. Maintenant, je vais introduire ton dossier dans mon ton papier, dans mon dossier. Ça fait 1 an et demi que j'ai lancé la procédure. Donc, si tout se passe bien, on part en septembre au Canada. Oh! Tu mets la chanson, tu fais Hey, yeah! He has given me victory. Te voilà qu'un bien. Qu'un bien. Le Seigneur a prévu des choses pour vous. Comme je vous parle là, il y a un homme quelque part. C'est vrai qu'on me disait ça avant que je disais, oh, quitte avec ça. Il est où alors, Seigneur? Il est où? C'est quoi cette affaire là? Ça m'énervait. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quand il va te voir, son cœur va faire que oui, moi. Ça fait que oui, moi. Si quelqu'un connaît écrit oui, moi, il écrit oui, moi. Écrivez oui, moi, je vois aussi vous. Vous avez écrit bien. Écrivez un peu oui, moi, je vois. Son cœur va que oui, moi. Il te prend. Comme il te prend là, c'est que toi. J'attends, je vais voir le win-win là. L'autre mec, oui ou non, enough, ton oui, c'est avec win-win. Oui, c'est pour Choc Mini là, que win-win. Vous allez me faire rire, ça se voit que win-win. Non, c'est Short Mini qui a bien écrit, voilà Christelle, oui moi, voilà.
Tu lui dis que regarde, j'ai trois enfants. J'ai 45 ans. Il dit ça m'a con. Oui, moi. Tu dis que regarde, ma première fille va bientôt avoir se marier. Il te dit que oui, moi. Écoutez, vous devez croire à nouveau. Si vous ne croyez pas, Dieu ne peut pas utiliser. Ta croyance, en fait, c'est le point d'accroche. C'est comme si c'est les cheveux sur lesquels Dieu vient mettre les mèches pour faire les longues tresses. Voilà. Dieu a besoin. On ne peut pas coiffer le Congolais bon. On ne peut pas faire les rastas sur le Congolais bon. À moins qu'on ne te mette la Les Week qui a derrière les rastas sur ça. Mais Dieu a besoin de ça pour venir accrocher ses mèches sur ça. Après, il te fait les longs cheveux de 2 mètres. Vous comprenez, non? Vos batailles ne se font pas dans le physique. Vous suivez? Vos batailles ne se font pas dans le physique. Beaucoup, c'est dans le rêve. Beaucoup, pendant la période aussi, vous serez amené à trop dormir. Tu vas sentir la fatigue physique. Parce qu'ils ont besoin que tu sois couché et que tu sois endormi. Et quand tu es en train de dormir, ils vont. Parce que j'ai expliqué ça dans ma vidéo de TikTok de ce matin. Quand tu dors, ton conscient est enlevé du chemin. C'est ton subconscient. C'est là que tes anges peuvent maintenant aller bagarrer. Donc, quand tu te lèves, tu as très peu de choses à faire, très peu d'actes spirituels à faire. Tu as rencontré quelqu'un l'autre jour à Libreville. C'est là qu'il m'a fait revoir les 3 derniers mois de ma vie. J'ai compris beaucoup de choses. Souvent, quand je vois les gens qui viennent pour m'attaquer physiquement, je regarde comme ça et fait. Non, je ne fais pas ça, mais bon. Et seulement si vous saviez. Même vos marabouts chez qui vous partez pour m'attaquer là. Ils ne peuvent pas m'attaquer. Une reine du ciel ne fonctionne pas. Je ne fonctionne pas à Badjoum seulement. Je ne fonctionne pas à Bafoussam seulement. Je ne fonctionne pas au Cameroun seulement. Quand vous allez comprendre ça, vous allez arrêter de gaspiller votre énergie contre moi. Quand tu as été appelé et choisi par Dieu, quand tu as été appelé et choisi par Dieu, c'est comme Superman. Les pouvoirs de Clark Kent étaient déjà dans son ADN. C'était dans lui. Et beaucoup de mes anciennes connaissances, vous ne me connaissiez pas parce que moi-même, je ne me connaissais pas. Vous m'avez beaucoup simplifié, vous m'avez bafoué. Mais il y a un degré, il y a une dimension qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui.
beaucoup de membres de votre famille. Voilà. Tu dis que tu étais dans l'immeuble, il n'y avait pas il n'y avait pas de. Il n'y a pas de locataire avant. Maintenant, voilà, tu as aspergé la cannelle. Ça se passe bien, ouais. Vous devez comprendre que vous êtes arrivé et surtout, parce que vous avez commencé à écouter et à faire ce que je dis. J'active votre ADN. Je vous dis souvent ça. Quand ton ADN s'active, ce qui dormait en toi là, ça se réveille. Tu commences à arrêter certains trucs. Tu es dégoûté de certaines relations. Tu commences à acheter les pierres. Tu as les bracelets. Tu achètes le sel. Ça vient enlever la peau de dessus là qui était superficielle. Ça met maintenant, ça révèle ce qui est en toi. Beaucoup de vos gens ne connaissent pas le vrai vous. J'ai une de mes filles à Libreville. Elle me dit, elle m'a décrit un rêve qu'elle a fait, ça fait 10 ans. Et il y a cela 10 ans que moi j'ai commencé à avoir mon éveil spirituel. Elle dit donc que ça fait quelques jours, ses ancêtres sont venus lui montrer à nouveau que la femme dont tu as rêvé il y a 10 ans et celle avec qui tu es maintenant, c'est la même personne. Hier, elle me racontait. Elle dit qu'ils m'ont fait le rapprochement. Donc, dans le rêve, elle se rappelle de son rêve qu'elle avait fait il y a 10 ans. Et à la fin de ça, ils disent que rappelle-toi que tu trouves que la femme là est elle. Parce que l'autre jour, quand je voyageais, j'avais porté un vêtement qui ressemblait au vêtement qu'elle avait vu dans le rêve là il y a 10 ans. Et ce vêtement, beaucoup de personnes m'ont vu dans le rêve avec ce. Vous m'avez vu dans le spirituel avec ce vêtement. Donc, je l'ai fait coudre et je l'ai porté. Donc, quand je suis arrivée, elle m'a vu, je portais ça. Ça a provoqué quelque chose dans son esprit. Elle a fait une sieste dans la journée et elle a vu ça dans le rêve. Écoutez, hein. Je vous dis tout que je ne suis pas là pour vous amener. Je suis là pour changer votre vie. Jamais tu restes dans 6 mois comme ça. Tu as les papiers, tu es marié, tu as la voiture, ton boulot, tu travailles maintenant de la maison. Je dis mince. Les voyages qu'avant tu faisais, 6 mois pour cotiser l'argent. Tous les 2 semaines, tu te lèves. Poup, j'ai voyagé. Poup, j'ai voyagé. Je prophétise sur vous. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il envoie toujours un messager. Et le messager dit. Quand le messager te dit, c'est comme si on annonçait que Jésus va être conçu dans ton ventre. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Tu as reçu la semence, la grossesse commence. Vous devez connaître le processus spirituel.
Vous êtes entré dans une période où vous êtes en train d'épurer les mauvaises choses qu'on avait déposées en vous. Et tu vas voir comment en une petite période comme ça, cinq choses de majeures vont se passer dans ta vie. Quelqu'un fait 3 semaines sans te voir. Il revient voir la voiture dans ta cour. Il te demande, on dit que tu as voyagé, tu es parti en France. Et la personne qui lui dit que tu es parti en France, c'est ton mari. Tu t'es marié, tu as eu le visa pour aller en France, acheter ta marchandise et tu as acheté la voiture en 3 semaines. Après, je dis, mais si on est sûr qu'on parlait de. C'est bien elle. Tu sautes sur le gars à côté du portail. Ah oui, oui. Ah, c'est une vidéo. Oui, oui, oui. Oui. Pardon. Il vous dit toujours, apprêtez-vous à changer de statut. Apprêtez-vous à changer de statut. Et puis, chill, relax, reposez-vous. Si vous vivez là où il y a la plage, allez au bord de l'eau. On va faire le rituel de l'eau vendredi. Parce qu'on va partir, on va jeûner. On a commencé à jeûner aujourd'hui, demain et après-demain. Donc après-demain qui est vendredi, on va faire un rituel à l'eau. Vous connaissez déjà ce qui se passe quand on fait le rituel à l'eau. Il y a le rituel privé, il y a le rituel de... Voilà. Si vous vivez là où il y a de l'eau, partez là-bas. Certains aussi vous seront amenés à beaucoup dormir. Voilà, le soleil. Le soleil. Prenez un bain de soleil au moins 10 minutes par jour. Et dormez beaucoup. Soit vous dormez tôt. Dormez tôt. Bon, la formation spirituelle va commencer la semaine prochaine. Méditation, c'est vendredi. Tu vois, en donnant un billet d'avion pour aller passer le week-end en Côte d'Ivoire. Hein, Bonnie? Voilà les choses que moi j'aime entendre. On dit, viens faire un tour à Dubaï, ma chérie. Comme on dit quoi, Habibi, hein? Tu pars, toi, fais 2 jours. Bonjour, la reine Marlène. Pas en Turquie, tu tapes une semaine. Non, il y a prière à 12h. Vous pouvez entrer dans le groupe de prière, vous envoyez un message, inbox.
Moi, je vais vous laisser, il faut que j'aille dormir. Hein. Vous allez me voir dans vos maisons bientôt. Et soyez dans la joie, je vous en prie. Quand tu sais que quelque chose de bien va venir, tu es dans la joie, tu n'es pas triste. Tu n'es pas triste. Tu restes comme ça, là, ton corps te plaît, toi. Pourri. Il y a quelqu'un qui a de mettre un soukous là-bas qui me plaît jusqu'à. Tu fais pam. Bon, bye bye.